Deux enfants morts par noyade, l'épouse de leur mère, de leur père serait à l'origine de ce meurtre. Une nouvelle qui s'est répandue dans la contrée et soulève de vives émotions. Le récit des faits avec Lardingue Mamba. Une femme accusée d'avoir tué par noyade deux enfants de son conjoint. Les faits se sont déroulés à Batouri, site de la société Olam. Interpellée ce jour par l'antenne de police judiciaire de Bitam, la nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre a suscité une profonde émotion auprès des Bitamois, qui n'en reviennent pas sur les mobiles, ayant entraîné la présumée meurtrière à agir ainsi. Les corps inertes des deux enfants ont été transférés à Okomefak, village natal de leur père Narcisse Aseko Ela, dans le canton Tem 1, pour inhumation. Mon ami sort derrière moi. Il me dit que non, on cherche déjà tes enfants en bourse. C'est là où je l'ai posé. On cherche mes enfants, Jarlo. Ils ont fait quoi? Là où on m'a dit non. La deuxième femme qui a fait pour amener les enfants à la terre, les terres. C'est. Les éléments de la police judiciaire de Bitam ratissent large afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire qui vient non seulement bouleverser les populations de Batouri et de Bitam qui se posent la question de savoir ce qui réellement aide à poser un tel forfait. Une question à laquelle seul le temps permettra de trouver une réponse.